Appliquez les électrodes sur la poitrine. Putain, on a un appel Samu, on part sur un tour des hanches. Ok, bah tiens, j'ai fini à vérifier, c'est bon. C'est par ici. Très mal, ah, c'est mis par terre comme ça. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bonjour monsieur. Oula. C'est les ambulances de l'IFAS. Ça va, qu'est-ce qui vous arrive? Je crois que c'est sorti là. Qu'est-ce qui est sorti? Je sais pas, je suis marché et puis la manche est partie. D'accord. Vous avez mal à quel endroit ici? Par là, ouais. Là, c'est à cet endroit-là? C'est à cet endroit-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. La première fois que ça vous arrive, monsieur? Non, oui. Enfin, c'est. Ouais. C'est arrivé il y a un mois. Il y a un mois? Qu'est-ce qui vous arrivait déjà il y a un mois? Bah, j'ai eu un accident de voiture. D'accord. Il y a un sanglier qui est passé, cette chiotte là. D'accord, ouais. Et puis j'ai été opéré. Et... Vous avez été opéré où? À la hanche? Ouais. D'accord, ok. Vous êtes resté hospitalisé longtemps? Un mois. Votre accident? Oh, des scalpes. D'accord. Ça pissait le sang, c'est tout. Ok. Et là, vous avez d'autres douleurs? Non. C'est à cet endroit-là? Ouais, c'est ça. Ok. Vous pouvez essayer d'aligner vos deux jambes? Remettez cette jambe-là côté de l'autre. D'accord, ok. Après. On va vous prendre toutes vos constantes. Vous avez un traitement? Non, non. Et la douleur sur une échelle de 0 à 10? 0, vous avez pas mal du tout, et 10, c'est insupportable. 15. Là, c'est vraiment insupportable la douleur. Oui. 12,6 de tension. Ouais, d'accord. Vous avez des douleurs ailleurs? Non. Et c'est quoi, vous êtes tombé ou... Non, je marchais et... 36,2. Et j'ai dû faire un faux mouvement, ça a brillé. Et... D'accord. Et il n'y a pas eu de chute Je me suis écroulé en fait, mais j'ai pas cogné la tête. Vous vous souvenez de tout? Il n'y a, oui. A pas eu de perte de connaissance? Regardez-moi. Vous savez quelle journée? Mercredi. Ok, mercredi combien? Quel mois? Avril. D'accord. Tu avais la température combien? 36,2. C'est comment votre nom, monsieur? Jodé. Ça se dérive? J.O. C'est votre prénom? Alexandre. Il a 66 de poumons, okay. Et 13 de fréquence respiratoire. Votre âge, s'il vous plaît? 25. 25 ans. D'accord. Bon, je vais aller passer le bilan, monsieur. Je vais appeler le médecin et ma collègue va rester vers vous. Ok. Tu restes vers lui, je vais passer le bilan. Ne vous inquiétez pas, inscrivez-vous. Oui, bonjour docteur. Donc, nous sommes en présence d'un jeune de 25 ans qui a fait une chute, donc une chute de sa hauteur. Il se plaint d'une douleur à la hanche gauche. Il a été hospitalisé pendant 15 jours suite à un AVP, suite à une fracture de la hanche. Il a été opéré. Donc là, c'est arrivé en marchant. Il a sûrement fait un mauvais mouvement. Il a entendu un craquement. Et
donc il est tombé au sol, il n'y a pas eu de perte de connaissance. Il a une tension à 120-60, une fréquence respi à 13 et un pouls à 66. Une température à 36,2, aucune autre douleur, simplement des douleurs à la hanche. D'accord. On l'emmène sur l'hôpital de Joigny. Et oui, il a une échelle de douleur à 10 sur 10. Très bien, l'hôpital de Joigny, merci. Au revoir. Donc c'est bon, on va le transporter non médicalisé vers l'hôpital de Joigny. D'accord. Bah, reste là, je vais chercher le matériel. Pas de soucis. Vous pouvez venir m'aider, monsieur? Bien sûr. Vous avez le matériel? Merci. Attendez, monsieur, on arrive. Monsieur, on va vous relever avec le brancard cuillère. Hein. On vous mettre sur un mat de coquille. Ça va vous serrer pour vous immobiliser, d'accord? Ça va bien vous tenir la hanche. C'est bon pour la tête, là? Ouais. Voilà. Chef. Allez, bougez pas, monsieur. Bougez pas. Ah, je sens plus mes jambes. Bougez pas. C'est bon? Tu peux me détacher l'eau. Voilà. Alors, attends, on peut prendre une coquille, hein. Dites-moi si tu peux vous rendre. Oui, là, on aura besoin de vous après. Monsieur, on va vous basculer un tout petit peu sur le côté pour pouvoir passer le cœur en dessous. Tu vas tout doucement parce que la hanche va péter là. Vas-y. Voilà, bouge pas, c'est bon, ça suffit. Je vous enlève ça sous la tête, monsieur. Levez un petit peu la tête. Merci. Voilà, c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Vous êtes prêts? On va vous installer sur le mat de la coquille, d'accord? C'est bon, Mélo, ou tu veux qu'on demande monsieur Savary? Bah, il peut se mettre à côté. Bah, tiens, pour les pieds, vous venez avec moi, monsieur. D'accord. On va se mettre chacun d'un côté, là. Mm-hmm. Puis on va se diriger en direction du mat de la coquille. D'accord, ok. Vous pliez bien vos jambes, hein, faites attention à votre dos. Ouais. Bon, 1, 2, 3. Ça va, monsieur? Ça va? Vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Ça va? D'accord. Vous me faites mal là, non? Un peu. Un petit peu. Par rapport à tout à l'heure, vous avez plus ou moins mal? Arrête. Pareil. Alors, je vous enlève le cuir.
Vous allez venir nous aider, monsieur ? Ouais, bien sûr. Vous connaissez, non, un petit peu ? Je connais rien, monsieur. D'accord. Là, on va l'envelopper dans le bas de la coquille. Ça va, monsieur ? Putain, tiens, on va creuser. Ah, fais gaffe, merci. Tiens, mais ici. D'ailleurs, regardez. Juste vous relevez comme ça. D'accord. Vous maintenez bien. Pour que ça l'enveloppe bien, d'accord ? D'accord. Ça va vous serrer un petit peu, monsieur, d'accord ? Monsieur ? Oui. Vous m'entendez ? Serrer les sangles un peu. Ça va, monsieur ? Vous allez rester vers ma collègue. D'accord. Vous allez prendre les poignées de l'autre côté. Ici. Vous allez prendre au niveau des pieds. Ok. En fait, on va se transporter d'ici sur le banc. D'accord. On va vous installer sur le brancard, monsieur. Vous êtes bien maintenu, là ? D'accord. Vous êtes prêt ? Oui. Attention pour lever. Attention pour lever. Levez. Posez. Vous pouvez remettre la barrière, s'il vous plaît ? Merci. Je vous laisse prendre la levée du brancard. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, levez. Bon, on va le ramener à l'ambulance, on viendra rechercher le matériel après. On va vous installer à l'ambulance, monsieur. D'accord. C'est les escaliers, on va descendre les escaliers tous ensemble. Vous allez nous aider, monsieur ? Bien sûr, hein, je suis là pour vous aider. On va descendre dans son cerf, tout ça, là, dans, pas la tête en bas. On est déjà à côté. J'aurais besoin de votre carte vitale. Elle est dans ma sacoche. Dans votre sacoche, d'accord. Et votre médecin traitant ? Docteur Jones. Docteur Jones ? Oui. Et une personne à prévenir. Je mets qui, votre femme ? Oh ouais. Il me faudrait son nom ? Le même. Son prénom ?